Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je vous propose des petites vidéos tout le temps où vous ne pourrez pas venir aux Beaux-Arts. Alors aujourd'hui, je vous propose de travailler sur un livre peinture-lure de Hervé Tullet. Nous allons essayer de voir comment dessiner avec un dé magique. Comment dessiner des monstres. Et attention, je vous montre les monstres qu'il a lui-même dessinés. Les voilà. C'est parti. Pour tout ça, il vous faudra une feuille. Toute simple, en format A4. 7 feutres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De différentes couleurs et un dé. Avant de commencer, je vais vous montrer tout ce dont nous allons avoir besoin de dessiner. Nous allons avoir besoin de dessiner un œil. Je fais la forme en amande, l'iris et la pupille, sans oublier les sourcils. Je peux aussi faire une autre forme, un peu plus ronde, mon iris, ma pupille, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ensuite, j'aurai besoin de dessiner une bouche. Je peux faire une bouche comme ceci. Je peux aussi la faire comme cela ou comme ça. Ensuite, j'aurai besoin de dessiner un nez. Un nez de profil, comme ceci. Un nez de face. Je peux le dessiner comme ça. Et ensuite, j'aurai besoin de dessiner des bras. Alors les bras, on y met autant de doigts que l'on veut. 1, 2, 3, 4, 5 si l'on veut. Je peux aussi mettre 2 doigts ou 3 doigts. 1, 2, 3. Je peux mettre une forme différente. Ensuite, je peux faire des jambes. Hop, une jambe. 2 jambes. Et ensuite, les oreilles. Alors les oreilles, on va faire simple les oreilles. Voilà, hop, et hop, voilà pour les oreilles. Et ensuite, des cheveux. Alors, je peux faire des cheveux comme ceci. Je peux faire des cheveux comme ceci. Je peux aussi faire des cheveux comme ceci. Et vous pouvez aussi vous-même inventer vos cheveux. C'est parti, je vous montre comment faire votre monstre. D'abord, je dessine une forme, vous dessinez une forme. N'importe quelle forme, on ne réfléchit pas trop à la forme, on fait la forme. Voilà, hop, hop, hop. Pour ma part, elle est comme ceci. Ensuite, je vais commencer par dessiner les yeux. Pour savoir combien d'œils aura mon monstre, je prends le dé. Attention, hop, mon monstre aura 5 œils. Je choisis de faire les yeux en rouge. 1, 2, 3, 4. Je mets de côté ce feutre rouge dont je n'aurai plus besoin. Ensuite, je vais voir combien de bouches aura mon monstre. 2. 2 bouches. Je choisis le vert. 1 bouche. 2 bouches.
je mets de côté le feutre vert dont je n'aurai plus besoin. Ensuite, rappelez-vous, le nez. Très bien. Attention. Oh, un nez. Je choisis le orange. Je vais faire un nez de profil. Je mets le orange de côté. Ensuite, rappelez-vous, ce sont les bras. Trois bras. Alors, trois bras, trois bras. Un. Deux. Et il m'en manque un par ici, beaucoup plus petit. Voilà mes trois bras. Ensuite, les jambes. Combien de jambes va avoir ce monstre? Une jambe. Je choisis le rose. Une jambe. Voilà ma jambe, ma toute petite jambe. Je mets le rose de côté. Je n'en aurai plus besoin. Il me reste, rappelez-vous, il me reste les oreilles, deux oreilles. Alors, une oreille par ici et une oreille par là. Voilà. Je mets de côté le feutre vert et maintenant il me reste les cheveux. Alors, je vais voir d'après l'idée si je dois faire peu de cheveux. C'est, je fais le 1, le 2 et le 3. Si c'est moyennement des cheveux, c'est le 4 et le 5. Et si je dois faire beaucoup de cheveux, c'est le 5 et le 6. Attention, c'est parti. Oh, du coup, je fais peu de cheveux. Alors, je décide de faire les cheveux en noir. 1, 2. Et voilà, je fais peu de cheveux à mon monstre. Et maintenant, vous pouvez faire comme moi, la famille monstre, le papa monstre, la maman monstre et le bébé monstre. C'est parti, bonne séance à vous !